Ce mardi au marché, je n'ai pas trouvé de musicien de rue, ni les Libertades, ni Florent Berthomieux, ni les groupes New Orleans. Alors j'ai sorti, ça j'étais sûr qu'il y allait une bagnole qui allait arriver, hein, bien évidemment. On coupera la séquence. Alors j'ai sorti un objet ancien. Ancien, ça veut dire plus de 100 ans, c'est-à-dire antérieur à 1922. Voilà, puisque nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2022. Et cet objet ancien, c'est une minuterie d'immeuble qui partait à la décharge et que j'ai récupéré. Alors, je vais enlever le couvercle. Voilà. Très beau couvercle. Et on va regarder l'intérieur. Au départ, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais repéré ici, minute, 2, 3, 4, 5, 6. Minute, minute, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, minuterie. Donc, un superbe mécanisme d'horlogerie. Avec apparemment un contrepoids, une bobine, et ici des commutateurs, mise en route de la minuterie, etc. Et on va voir le mécanisme. Il est réglé sur 2 minutes, ici. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. On pousse ici, et c'est parti. Vous avez un mouvement d'horlogerie, ici, avec une pièce qui vibre. Un battant, un superbe mouvement d'horlogerie dont on... Est-ce qu'on voit l'intérieur? Je vais essayer de le voir, bien évidemment. Voilà. On voit l'intérieur. Alors, ça va durer 2 minutes et je ne couperai pas ces 2 minutes. Un ressort métallique, une chaîne, un contrepoids qui remonte progressivement, et un mécanisme qui s'arrête au bout des 2 minutes, c'est-à-dire que, en appuyant sur un bouton, ici, vous avez déclenché l'allumage de l'immeuble lié à la minuterie, et au bout des 2 minutes, ça s'éteint. Voilà, une belle pièce de connexion qui partait à la déchetterie.